pas le site. Les orateurs vont pas tarder à venir près de la scène. N'hésitez pas à vous rapprocher, s'il vous plaît. Avec du tram en fait qui explose.
Avant de commencer cette cérémonie, je vous invite à accueillir Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, pour le dévoilement de la plaque inaugurale en mémoire de Amara Dumasi. Madame la ministre, monsieur le préfet de région, monsieur le maire du 13e, madame la maire du 12e, cher Pierre Rabadan, cher Emmanuel Grégoire, chers toutes et tous, cher Patrick Ollier également, je souhaite vraiment, avant de démarrer ce moment d'inauguration, avoir une pensée émue comme vous pour Amara, sa famille et tous ses collègues. Amara Dumasi avait 51 ans. C'était un père de famille exemplaire dont une partie de la famille vit en France et l'autre au Mali. Amara était un employé modèle. Il était adjoint au chef de chantier de l'emprise Tournaire. Il travaillait sur le chantier d'Austerlitz depuis le début de l'opération. Il avait des années d'expérience au sein de l'entreprise de travaux publics et d'assainissement dans laquelle il avait progressé pour atteindre ce poste. Il est décédé le 16 juin 2023, renversé par une camionnette en marche arrière. Nous le savons, une enquête est en cours afin de déterminer les éventuelles responsabilités. Nous avons et nous continuerons à accompagner la famille d'Amara. Et aujourd'hui, je souhaite honorer sa mémoire en vous remerciant tout d'abord d'observer une minute de silence. Je vous remercie et nous avons souhaité associer son nom à la plaque qui sera ensuite apposée sur le jardin qui naîtra ici dans ce 13e arrondissement. Et je vous propose une fois n'est pas coutume de dévoiler d'abord la plaque puisque son nom y figure. Merci à toutes et tous pour le dévoilement de cette plaque. Nous accueillons maintenant M. Jérôme Coumet, maire du 13e arrondissement de Paris. Et plus encore, rendre la scène définitivement aux Parisiens, y compris par des baignades. Madame la ministre, monsieur le préfet de région, monsieur le président de Paris, madame la maire de Paris. Madame la ministre, madame la maire de Paris, mesdames et messieurs les élus, de région, cher Guillaume. Mesdames et messieurs, écoutez, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est un grand jour pour Paris 2024, un jour qu'on attendait depuis longtemps. C'est vrai qu'il fallait de l'audace il y a maintenant 8 ans, quand dans un dossier de candidature, nous voulions absolument montrer le meilleur de cette ville, montrer le plus beau visage de notre pays à l'occasion de ces Jeux de Paris 2024, avec, je crois, un double objectif en tête. Faire rêver, offrir encore une fois aux athlètes, aux spectateurs, aux téléspectateurs un moment d'émotion, un moment de fierté nationale, mais aussi montrer que ce genre d'événement exceptionnel peut permettre aussi d'enclencher une dynamique vertueuse pour un territoire, laisser un héritage utile à la population et un territoire comme la ville de Paris. Alors forcément, aujourd'hui, on est encore une fois dans un point de passage qui est fondamental pour atteindre ces deux objectifs. J'ai accepté de travailler sur l'organisation des Jeux. J'imaginais pas qu'un jour je me retrouverais sous terre à visiter un bassin de rétention d'eau pluviale de 50 000 m3. C'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses au cours des dernières années, mais c'est une vraie satisfaction de voir combien ce pays, cette ville de Paris, sont capables de franchir des étapes fondamentales, de s'organiser collectivement pour réussir à atteindre ces deux enjeux. Oui, les Jeux de Paris 2024 seront plus beaux, seront plus vertueux, seront plus spectaculaires grâce à cet ouvrage. Et au nom de Paris 2024, bien évidemment, je tiens une nouvelle fois à saluer, remercier, féliciter la ville de Paris, l'État et l'ensemble des acteurs publics qui ont contribué
à ce que cet ouvrage puisse voir le jour. Mais au-delà de ça, on a bien compris aussi que ce n'était pas pour nous qu'on le faisait. Nous en serons encore une fois les premiers utilisateurs, on est très fiers de ça. Mais c'est surtout pour que l'environnement et ce fleuve, ce magnifique fleuve, puisse être de meilleure qualité. Grâce au temps engagé il y a quelques années, c'est déjà le cas. Parce qu'il y a beaucoup de fierté à avoir de la part des acteurs publics d'avoir réussi à relever ce défi en quelques mois seulement, en quelques années, pour que d'ores et déjà, et ça a été formidablement bien dit, d'ores et déjà, cette eau de la Seine soit de bien meilleure qualité, avec d'ores et déjà l'été dernier une eau qui était baignable à 70% du temps. Et aujourd'hui, on passe encore un cap, parce qu'effectivement, un orage comme hier soir, par exemple, aurait pu être absorbé par ce bassin de rétention. Et ça, c'est encore une fois un levier supplémentaire pour nous permettre d'aborder avec sérénité des compétitions de cet été. Donc, au nom de Paris 2024, un très grand merci à la ville de Paris, un très grand merci à la préfecture de région et à l'État d'avoir su s'organiser pour franchir ce point de passage très important. Et cet été, ou peut-être même avant, pour aller goûter cette eau de la Seine. Merci à tous. Je voulais accueillir la présence de madame Anne Hidalgo, maire de Paris. Merci beaucoup, cher Tony. Je vais demander à Samuel de nous rejoindre. Et puis Benjamin aussi. Pourquoi eux? Parce qu'ils sont le magnifique visage, les visages. Venez, approchez-vous, les matins, Samuel et Benjamin. Visage du service public municipal, dont nous sommes tellement fiers, parce que derrière une aventure comme celle-là, derrière l'inauguration d'un ouvrage comme celui-ci, ce sont des histoires humaines, une aventure humaine. Rien ne se fait tout seul, rien ne se fait tout seul. Et il faut des femmes et des hommes. Marie Villette est là et je veux vraiment aussi, mais je sais qu'elle apprécie que ce soit Samuel et Benjamin qui soient sur scène. Je sais que tout ça, ce sont des heures de travail, de calcul, de mobilisation pour arriver à cela. Et je veux vraiment leur dire merci parce que c'est du travail. C'est du travail pour le moment que nous vivons, mais c'est aussi du travail au quotidien, 7 jours sur 7, H24. Parce que eux, leur travail au quotidien, c'est de faire en sorte que l'eau soit potable, que l'eau ne soit pas abîmés par les rejets, qui sont les rejets des humains et de leurs activités domestiques ou industrielles. Et ils vouent leur talent, leur savoir-faire, leur ingéniosité à cela. Et c'est parce qu'ils existent aussi qu'on a pu relever un défi aussi audacieux que celui que Tony vient d'évoquer. Et il y a de cela plusieurs années, en 2015, ils étaient tous les deux et nous recevions, nous discutions avec la présidente de la Fédération internationale du triathlon. Et quand elle nous a dit, moi, vous savez, si vous faites une épreuve des Jeux sous la Tour Eiffel, franchement, je suis très pour. Et on s'est dit, nous aussi, on est très pour, donc on va y aller. On n'imaginait pas la masse de travail qui restait encore à faire. Bien sûr, moi, en tant que maire de Paris, avec les équipes de Paris, ça faisait longtemps qu'on s'intéressait à l'eau, à la qualité de l'eau. Et avec Haute-Paris, nous avions déjà, en régie municipale, hein, c'était un choix politique que nous avions fait il y a longtemps, nous avions décidé de faire de l'eau, cette ressource essentielle, un élément de notre politique publique. Et l'idée pour nous d'avoir des poissons, d'avoir une eau de meilleure qualité, était déjà travaillée depuis plusieurs années. Mais de là à plonger dans la Seine, nous étions passés par des étapes préalables. D'abord, le bassin de la Villette. Et puis, cher Pierre, aussi le canal Saint-Martin. Et là, on rajoutait un élément supplémentaire qui signifiait quoi ? Qu'en fait, on allait réaliser notre rêve de bourse.
Parce que ne me dites pas que ce n'est pas vrai. Ne me dites pas que ce n'est pas vrai. Vous, quand vous aviez 10 ans, d'accord, remettez-vous en tête quand vous aviez 10 ans et que vous étiez à côté d'un lac ou d'un cours d'eau. C'était quoi votre truc le plus tentant? C'était de plonger dans le lac ou dans le cours d'eau. Et si on ne sait pas nager, de se dire bah, « j'aimerais bien savoir nager pour aller plonger ». C'est ça le rêve de gosse, de tout gosse. Eh bien, à Paris, capitale de la France, on avait aussi nos rêves de gosse. Vous voyez, moi j'en avais un, qui était quand même de pouvoir nager dans ce fleuve. Ce fleuve dans lequel on nageait il y a 100 ans, dans lequel il y avait des compétitions et dans lequel les Parisiennes et les Parisiens allaient nager. Il se trouve que je n'ai pas grandi à Paris, j'ai grandi à Lyon et il y a une rivière et un fleuve. Et la rivière, la Saône, qui est plus calme que le Rhône, était, lorsque j'étais enfant, une rivière dans laquelle on pouvait se baigner. Enfin, ce n'était pas tout à fait autorisé, mais enfin, on y allait souvent avec ma sœur et mes copines, tremper nos pieds dans la Saône, en plein centre de Lyon. Et on y voyait des petits écrevisses. Donc peut-être que ce rêve de gosse a continué à me mobiliser lorsque je suis devenue maire de Paris. Et là, on y est. Mais si on y est, c'est parce qu'il y avait les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et sans les Jeux Olympiques et Paralympiques, on n'aurait pas fait ça. Je pense que d'abord, on aurait considéré que peut-être c'était... effectivement beaucoup de moyens, beaucoup de mobilisation de moyens. On ne pouvait pas le faire tout seul, nous, la ville de Paris. Et il fallait quelque chose de très fédérateur. Les Jeux Olympiques et Paralympiques sont... C'est pour ça qu'en 2015, j'ai décidé d'engager Paris, parce qu'il faut une ville hein, pour porter des Jeux Olympiques. Hein. C'est la ville qui signe après le contrat de ville hôte. Il faut une ville, ce n'est pas un pays, ce n'est pas comme l'Expo Universelle, c'est une ville. Et donc, je m'y suis engagée en 2015 en me disant, là, nous avons le moyen, le moteur qui peut fédérer tous les talents, les énergies pour accomplir ce que nous n'accomplirions pas dans le temps qui nous est donné avec ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Et en fait, c'était, je crois, la bonne intuition que nous avons tous eue de mettre dans ces Jeux des choses que nous n'aurions pas faites sans les Jeux, qui bien sûr vont marquer les Jeux, et c'est la force du sport et c'est la magie du sport que de permettre cela, mais qui vont surtout être utiles après à toutes celles et ceux qui, athlètes ou pas athlètes, vivent cette ville. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on a pu faire ensemble, et je veux remercier l'État, je veux remercier en particulier Marc Guillot, parce que Marc a fait de ce sujet de la baignade en Seine un défi, je dirais, personnel. Il est en train de jeter son maillot de bain pour le plonger dans la Seine dans quelques semaines. Mais s'il n'y avait pas eu aussi sa détermination, nous n'aurions pas soulevé les montagnes qu'il fallait soulever pour arriver à cela. Et on y est arrivé. Et là, ce bassin, vous l'avez dit avant moi, il va nous permettre quoi ? Oui, de répondre à ce qui est un des problèmes des grandes villes. Les épisodes de pluie font qu'il y a ces déversements, ces mélanges des eaux, que la qualité se dégrade et qu'ensuite, évidemment, on met du temps pour revenir à une Seine baignable. Et donc ce bassin va nous permettre cela, mais il y a tous les ouvrages autour, sur la Marne, sur la Seine, qui étaient absolument indispensables aussi pour nous garantir une qualité de l'eau. Je le dis parce que Pierre le répète souvent, l'année dernière, avant même l'inauguration et la mise en service de cet ouvrage et de tous les autres ouvrages, plus petits mais quand même très importants, l'eau de la Seine était baignable en été, partout sec, à 70% du temps. Donc vous voyez, on n'était pas non plus à des années-lumière de l'objectif que nous nous étions fixés. Mais j'entends que ça paraisse tellement, tellement énorme qu'il y a eu beaucoup de scepticisme. Et nous sommes là pour dire aux sceptiques qu'ils viennent, quoi. La fête va être quand même assez belle. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de montrer et d'accomplir. Je voudrais terminer sur ma ville, notre ville, Paris.
Paris, la ville hôte des Jeux, celle sans laquelle, je crois le dire sans aucune arrogance, la France n'aurait pas accueilli les Jeux olympiques et paralympiques. Et je suis très très heureuse, très fière de voir tout un pays derrière Paris. C'est quelque chose d'exceptionnel, parce que Paris est une ville qui inspire, elle inspire le monde entier, elle nous inspire, parce que les Parisiens sont inspirants. Mais Paris est aussi une ville qui est une ville généreuse, qui est une ville de partage, qui est une ville qui aime prendre le temps de montrer qui elle est, comment on vit et comment on s'inscrit dans les défis du siècle. En disant cela, je ne parle pas simplement de ce qui m'anime, je sais que c'est ce qui anime profondément les Parisiennes et les Parisiens. Et cette ville est une ville à vivre. Ce n'est pas simplement une ville qu'on traverserait très rapidement pour aller d'un point A à un point B parce qu'elle serait le lieu de tous les pouvoirs, le pouvoir économique, politique, médiatique, et qu'il faut aller vite pour avoir du pouvoir, gagner beaucoup d'argent. Certains pensent que Paris, c'est ça, parce que c'est leur usage. Mais en fait, Paris, elle a un autre usage. C'est une ville avec 2 200 000 habitants, une ville dans laquelle il y a entre 3 et 5 millions de personnes par jour qui viennent y travailler, qui viennent la visiter, une ville dans laquelle on a envie de prendre le temps de voir ce que l'histoire nous raconte et de voir aussi comment on prépare l'avenir. C'est une ville dans laquelle on a envie de prendre le temps de goûter la beauté des choses, la beauté des rencontres. Et c'est ce que nous faisons avec ces Jeux olympiques et paralympiques. Paris, ce n'est pas un modèle en soi, mais c'est une ville tellement inspirante qu'on a envie de dire que ce qui nous fait vibrer dans cette ville, ce qui nous unit, ce qui nous rassemble, avec cette diversité incroyable qui est la nôtre, parce que Paris, c'est une petite planète en tant que telle, avec des gens très différents. Très, très différents, en âge, en origine, en religion, en conviction, en soif aussi de construire leur vie. Paris, c'est cette ville-là et elle va accueillir le monde. Et elle est légitime à accueillir le monde parce que c'est aussi la ville des droits humains. C'est la ville dans laquelle se sont écrites toutes les déclarations des droits humains, y compris l'accord de Paris de 2015 et ce qui nous a fait toute mon équipe, là, et je mets les élus, l'administration, à travailler sur ces jeux, c'est de se dire, on peut aligner complètement les objectifs de l'accord de Paris avec les ambitions des Jeux olympiques et paralympiques, et bien sûr, d'abord et surtout, parce que c'est pour ça que nous sommes élus, avec les besoins, les attentes, les rêves, les utopies, des habitants de cette ville qui continue à inspirer le monde. Je vous remercie. Je voudrais, si vous me le permettez, exprimer à mon tour au nom de l'État nos condoléances pour la famille, les enfants, les proches d'Amara Diomassi. Je voudrais saluer ce matin cette formidable avancée que constitue la finalisation et bientôt la mise en service de ce bassin d'orage. On l'a évoqué, c'est 50 000 mètres cubes, c'est l'équivalent de ces 20 bassins olympiques qui, dans un orage comme on a pu en voir cette nuit, permettrait de rééquilibrer les équilibres bactériologiques en 48 heures. Ça en dit long quand on sait ce qui avait pénalisé la bonne tenue à l'été dernier des épreuves de natation marathon. C'était ces volumes de pluie, donc l'importance de ces infrastructures de collecte des eaux pluviales, elle est absolument fondamentale pour la réussite de notre plan baignade. Je voudrais vraiment adresser les plus vives félicitations à l'ensemble des équipes de la ville de Paris qui avaient la maîtrise d'ouvrage de cette importante réalisation et souligner cette avancée nouvelle, majeure, une semaine après l'inauguration que nous avons réalisée avec le département du 94 et un certain nombre d'élus locaux de la station de dépollution des eaux pluviales à Champigny-sur-Marne, vraiment une détermination collective à réussir ce fantastique plan de baignade.
un plan baignade qui est l'objet de la mobilisation de très nombreuses équipes, plus d'une vingtaine de collectivités, l'implication du SIAP, l'implication de VNF, d'Inropa, que je veux aussi saluer, bien entendu, et sous une orchestration, cela a été dit, qui est celle de Marc Guillaume aujourd'hui, qui mène ça d'une main de maître. Derrière tout ça, il y a beaucoup d'attention, beaucoup d'ingénierie, beaucoup de génie civil. Il y a aussi des moyens importants financiers qui sont mobilisés. Vous avez en tête que l'ensemble de ce plan baignade, c'est un investissement pour l'avenir, pour le futur, pour la transformation de notre cadre de vie, d'1,4 milliard d'euros, dont 700 millions d'euros sont assurés par l'État à travers l'Agence de l'eau Seine-Normandie. C'est sur un ouvrage comme celui d'aujourd'hui, des financements là aussi importants, 30 millions d'euros mobilisés par l'État, un petit peu plus de 15 millions d'euros d'avance également, qui permet collectivement qu'on boucle les équations financières et qu'on soit encore une fois au rendez-vous de ce formidable exploit. Rendez-vous, je pense que c'est le mot-clé. On va être avec ces avancées, avec ce travail collectif, au rendez-vous, au triple rendez-vous. D'abord, de procurer à nos athlètes, aux athlètes du monde entier, un exceptionnel écrin sur la scène pour la tenue des épreuves. Dès le 30 juillet prochain pour le triathlon masculin, le 31 pour le triathlon féminin, le 5 août pour les épreuves mixtes du triathlon, le 8 et le 9 pour la natation marathon, le 1er et le 2 septembre pour les épreuves de paratriathlon. Ça va être une expérience pour eux absolument exceptionnelle, ainsi que pour tous les spectateurs du monde entier et les téléspectateurs qui verront cette magnifique ville lumière qu'est Paris, qui est en plus, on le sait, particulièrement télégénique. Le second rendez-vous, c'est évidemment celui de l'héritage. Cette perspective d'avoir ces 25 à 36 de baignade sur la Seine, sur la Marne, qui vont véritablement transformer, à l'heure du réchauffement climatique, le cadre de vie des Parisiens, des Franciliens, des Français, mais aussi des visiteurs du monde entier. Et puis le troisième rendez-vous, c'est celui de cette amélioration écologique aussi, ce rendez-vous de la biodiversité. Cela a été dit par François-Marie Didier, on est aujourd'hui sur un renouvellement, y compris du volume des espèces de poissons qui vivent dans la Seine. Il n'y en avait plus que 3 en 1970, il y en a 36 aujourd'hui. Et de se dire que non seulement grâce au sport, grâce au jeu Tony, grâce à toute cette mobilisation collective, on va transformer la vie des habitants, la vie de notre pays, son rayonnement à l'international, mais en plus reconnecter avec cette qualité écologique de nos fleuves et de nos cours d'eau. Bravo encore à tous, bravo à la ville de Paris, bravo à tous les acteurs de ce plan baignade, et grande fierté d'être avec vous ce matin. Merci encore. Bon, alors il y a plein de choses à retenir de ce bassin. D'abord qu'il a une capacité de stocker 50 000 mètres cubes d'eau, hein, c'est l'équivalent de 20 piscines olympiques, et donc il va empêcher des déversements d'orages notamment, ou de pluie, et donc préserver la qualité de l'eau, ce qui était notre principale difficulté lorsqu'on avait un fort épisode pluvieux ou très long épisode pluvieux. On n'avait pas de capacité de régulation avec ce bassin de stockage d'eau. Il va nous permettre d'éviter la dégradation de la qualité de la Seine, et donc de pouvoir plus facilement garder une bonne qualité ou revenir plus rapidement à une qualité qui permette les seuils de baignabilité qui relèvent de la réglementation européenne. Donc voilà, c'est un ouvrage majeur, hein, qui est très impressionnant. Il descend à plus de 30 mètres de profondeur. C'est une prouesse technique aussi qui a été réalisée, et c'est un élément de plus dans notre capacité à mieux contrôler, mieux réguler la qualité de la Seine, en général bien sûr pour les épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques, mais aussi et surtout peut-être pour l'héritage et pour demain, à partir de l'été 2025, pouvoir se baigner dans la Seine avec vous tous. Alors on n'a pas encore tout analysé, mais selon ce que nous ont dit les spécialistes, oui, la pluie d'hier, le gros orage d'hier soir, avec le bassin d'Austerlitz en activité, aurait retenu l'eau, et donc il n'y aurait pas eu de déversement d'eau mélangée, hein, des eaux usées, des eaux pluviales dans la Seine. Donc c'était un bon exemple. Alors, je sais que vous aimez qu'on prévoit tout et qu'on calcule tout, mais là on n'avait pas vraiment calculé que ça allait arriver, ce niveau d'intensité, mais c'était
effectivement un orage très fort, mais avec la mise en service du bassin, ça aurait empêché tout déversement et donc dégradation de la qualité de la Seine. Donc s'il y a de très fortes pluies juste avant une épreuve, elle pourra avoir lieu ou est-ce qu'il y a une alternative ? Elle pourra avoir lieu, c'est vraiment précisément la raison pour laquelle, vous savez, il y a quatre axes majeurs dans notre plan baignade en termes d'infrastructures. C'est l'un des quatre axes de développer ces infrastructures de collecte des eaux pluviales pour éviter que lorsqu'il y a des gros orages, ça fasse en fait déborder les égouts et qu'il y ait un déversement dans la Seine d'eau usée et d'eau de ruissellement. Donc c'est typiquement le genre de configuration pour lesquelles ces innovations, celle-ci ce matin avec ce bassin d'orage d'Austerlitz, il y a une semaine, ce que nous avons inauguré avec la station de dépollution des eaux pluviales à Champigny-sur-Marne. Les prochaines étapes, puisque nous aurons encore deux autres ouvrages structurants qui vont être inaugurés dans les semaines à venir pour cette collecte des eaux pluviales, c'est tous ces éléments-là qui permettent de sécuriser que même par une mauvaise météo, nous soyons en capacité de tenir les épreuves sur la Seine. Donc pas d'annulation. Voilà, le but est de se prémunir de ces aléas. On vous a souvent parlé de plans de contingence. On a des mesures de ce type-là et on a tout ce travail mené sur les infrastructures pour se prémunir contre les aléas climatiques. Concrètement, vous parliez tout à l'heure d'une prouesse technologique. Vous pouvez nous raconter comment ça à l'intérieur ? C'est difficile à décrire. C'est un trou sur lequel nous sommes là, avec une grande circonférence qui sera un jardin public d'ailleurs dans quelques semaines. Ça ressemble un peu à une cathédrale. Avec une grande circonférence de 50 mètres et un tunnel qui est raccordé à ce grand réservoir pour récolter les eaux de la rive gauche et de la rive droite par ce tunnel qui passe sous la Seine, sous la ligne 10, sous le RERC et qui vient se connecter à ce bassin de stockage qui est ensuite dans les 24 heures évacué progressivement vers les usines de traitement des eaux. Donc voilà, c'est en ça que c'est une prouesse parce qu'on est venu vraiment creuser jusqu'à quasiment 36 mètres de profondeur, sécuriser tout ça avec les nappes phréatiques, avec la Seine, avec tous ces éléments-là, creuser le tunnel dont je vous parlais de collecte. Donc voilà, il faut vraiment saluer toutes celles et ceux qui ont permis, tant côté ingénierie que les ouvriers qui ont été à l'œuvre pendant tout ce temps-là. Et voilà, c'est vraiment quelque chose d'innovant dans tous les sens du terme, et la ministre le rappelait, c'est un des symboles du plan baignade, mais il y a beaucoup d'autres choses qui ont été faites, d'autres ouvrages en amont de Paris, des raccordements dans tous les ports parisiens, aussi des habitations qui n'étaient pas encore raccordées. Tout ça, c'est un plan qui s'est fait sur 8 ans, et on se dit souvent qu'on a gagné à peu près entre 10 et 15 ans. Voilà. Sans les Jeux, on aurait pu effectivement réaliser tout ça, mais dans un temps probablement beaucoup plus long, et il faut saluer la mobilisation de l'ensemble des collectivités, de l'État, et de la ville aussi de Paris pour le bassin d'Austerlitz pour permettre d'être dans les temps et d'être là aussi au rendez-vous. Voilà, il ne faut pas oublier, on a commencé à parler de tout ça en 2015, ça s'est mis en place, c'était hier hein, 2015 pour des chantiers comme ça, et malgré toutes les difficultés qu'on a pu traverser hein, dans la crise sanitaire, les conflits qu'il y a malheureusement partout dans le monde, ben, on a réussi là aussi aujourd'hui à livrer en temps en heure un ouvrage comme celui-là avec l'innovation qu'il porte et qui va avoir des conséquences positives et un héritage sur des dizaines d'années pour le quotidien des gens, notamment dans les étés qui sont de plus en plus chauds où il nous faut des nouveaux points de fraîcheur et ça va permettre d'en avoir à Paris mais au-delà à l'échelle de la métropole et de la région. On parle de quasiment 30 points qui sont étudiés aujourd'hui, 30 points de baignade qui vont voir dans les prochaines années. La Seine et la Marne. Et la Marne, exactement. Je pense que les Parisiens vont se baigner en toutes circonstances. Alors, je vais repréciser ça pardon, de manière très claire. D'abord, on est, ça ne vous a pas échappé, dans une baignade extérieure, on n'est pas dans une piscine. Donc il y a des aléas climatiques, on en parlait précédemment. Mais il faut prendre, peut-être pour être le plus didactique possible, il faut prendre l'exemple du bassin de la Villette. Le bassin de la Villette, donc c'est un bassin qui est ouvert depuis 7 ans, chaque été, et dans lequel on fait des prélèvements chaque jour pour savoir si la qualité de l'eau est baignable ou pas. Lorsqu'elle est bonne, et aujourd'hui on vous a expliqué l'ensemble des outils qui nous permettent d'être extrêmement confiants sur la bonne qualité de l'eau et le travail qui a été fait pour ça, lorsque l'eau est bonne, on autorise la baignade. Lorsqu'elle ne l'est pas pour une raison X ou Y, qui s'amenuise
beaucoup, puisqu'il y a de moins en moins de facteurs qui vont amener vers une eau de mauvaise qualité, dans ces cas-là, la baignade ne sera pas autorisée. Mais voilà, ça régit à du scientifique, c'est pas ni la ministre, ni moi, ni la maire de Paris qui décidons que l'eau est baignable ou pas. On fait des relevés, c'est des relevés de laboratoires qui sont indépendants, des relevés scientifiques, et lorsqu'ils sont dans les règlements qui autorisent la baignade, on autorise la baignade. Ce sera le cas pour les athlètes selon les protocoles des fédérations internationales pour les Jeux. Et puis ensuite, pour chaque jour d'ouverture de baignade à partir de l'été 2025. Et d'ailleurs, dans notre plan baignade, une des dimensions qu'on a beaucoup renforcées, c'est justement ces éléments de mesure avec 8 points de collecte qui seront activés à partir de juin, une trentaine à l'été et un doublement des éléments aussi d'analyse pour être vraiment totalement au rendez-vous de la fiabilité. Quand est-ce qu'il entre réellement en fonction ? Celui-là, alors maintenant, il y a des tests qui vont être lancés au courant du mois de mai. Et normalement, s'ils sont concluants, ce qui devrait être le cas, il sera lancé la première semaine de juin. Madame la ministre, ça a pris du temps, ça a aussi coûté de l'argent, 1,4 milliard d'euros pour que la Seine soit baignable. Est-ce que ça valait le coup ? 1,4 milliard d'euros au global, dont 700 millions d'euros qui sont financés par l'État. C'est un investissement de très long terme, bien sûr pour les Jeux Olympiques et Paralympiques et le rayonnement de la France dans le monde entier, car ces épreuves seront absolument spectaculaires. Au-delà de ça, c'est une vraie transformation du cadre de vie à l'heure du réchauffement climatique pour les Parisiens, pour les Franciliens, pour les Français, pour les visiteurs internationaux. Et vous savez, il y a aussi quelque chose de magnifique derrière cette aventure. C'est au fond le retour à une forme de qualité écologique de nos cours d'eau. On l'a évoqué tout à l'heure, dans les années 70, quand la baignade s'est interrompue sur la Marne, elle l'avait été depuis 1923 sur la Seine, il n'y avait plus que 3 espèces vivantes de poissons. Aujourd'hui, nous en avons 36 grâce aux premières avancées de ce plan baignade. Donc on voit bien que c'est une formidable aventure écologique, une transformation de notre cadre de vie et un élément de rayonnement de notre pays. Bon, merci à tous. Merci. C'est aussi une façon de transformer le cadre de vie pour les Parisiens, pour les Franciliens, pour les Français dans leur ensemble, pour les visiteurs du monde entier qui vont avoir la capacité de se baigner en héritage dans la Seine. Et puis c'est aussi une transformation écologique extraordinaire, je le disais il y a un instant. En 1970, il n'y avait plus que 3 espèces de poissons vivantes dans la Seine. Aujourd'hui, grâce aux avancées du plan baignade, il y en a d'ores et déjà 36. Et on voit bien ce retour à plus de biodiversité, une meilleure qualité écologique de l'habitat, une meilleure qualité écologique de nos cours d'eau. Donc c'est vraiment toute cette aventure que représente ce plan baignade. C'est un investissement important pour lequel l'État a consenti 700 millions d'euros et pour lequel, au global, avec le concours des différentes collectivités, des différents acteurs, nous investissons 1,4 milliard d'euros pour le long terme et encore une fois pour le bien-être et le rayonnement de notre pays. Vous y avez toujours cru que ça allait. Il y a certains qui appellent au boycott d'Israël. Vous savez, quand on organise un événement comme les Jeux Olympiques et Paralympiques, on est tout le temps dans la gestion de risque. Et donc, nous, notre rôle, c'est de prendre un risque dont on pense qu'il est mesuré. Le risque zéro n'existe pas. Il y a plein de sites de compétition qui sont en extérieur, que ce soit à Vers-sur-Marne, que ce soit à la Concorde, que ce soit à Versailles. Ce sont des terrains de jeu qui ne sont pas couverts, qui sont soumis aux aléas climatiques. Mais aujourd'hui, on a des plans de contingence sur l'ensemble des sites de compétition et on est dans la gestion de ces risques-là. Et effectivement, ce bassin d'Austerlitz nous permet aujourd'hui d'avoir un outil supplémentaire pour avoir un risque mesuré et qui nous permette d'être serein dans notre capacité à organiser les compétitions cet été. Et sinon, on décale. Et pas de plancher. You know, for now, 3 years, we have a plan to guarantee that it will be possible to swim in the River Seine. So it's been a huge contribution from the city of Paris and from the state to improve the possibility for all the system to absorb the pollution of big rain, for instance. So today it's a very important milestone in the feasibility of having the competition of triathlon and swimming marathon in the River Seine this summer. Est-ce qu'il y a des événements qui vont pouvoir vous permettre de tester en quelque sorte ce système et la propreté de la Seine avant les Jeux ?
Ce bassin de l'Austerlitz, il va être mis en activité à partir de la fin du mois de mai. Donc à partir de début juin, les autorités vont procéder à des mesures régulières pour constater l'évolution de la qualité de l'eau de la Seine, qui va nous permettre justement de garantir le fait que la Seine sera baignable au moment des Jeux. Mais on n'a pas une compétition avant, quoi. Non, on a déjà organisé une compétition l'été dernier qui nous a permis aux équipes de Paris 24 de tester tout ce qu'on avait à tester d'un point de vue de l'organisation. Maintenant, il suffit juste d'avoir une eau qui passe le test de la qualité d'eau. Juste, je reviens sur ce que vous avez dit avant pour être bien sûr d'avoir compris. S'il y a trop de pluie et que ça déborde juste avant une épreuve, vous décalez l'épreuve. Exactement. On a la possibilité d'avoir des jours de contingence qui nous permettent de décaler les compétitions et attendre que la qualité de l'eau soit de nouveau satisfaisante pour que la compétition puisse se tenir. Donc pas de plan B, il faut décaler absolument. Exactement.